tant qu'étudiant de BBS, on peut partir à l'étranger, on peut partir dans une école partenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut partir? Comment ça se passe un petit peu concrètement? Alors concrètement, on peut partir à peu près partout. Alors selon le contexte actuel, évidemment, c'est un petit peu plus incertain, mais pour tout le monde, malheureusement. Donc on fait quand même marcher hein, la mobilité à BBS. Cette rentrée-ci, dernièrement, a été particulièrement bonne au niveau de la mobilité, ce qu'on appelle entrante. Donc les étudiants qui viennent étudier chez nous à BBS pour obtenir le diplôme, et notamment le diplôme grande école, le programme grande école. Donc on fait, hein, on continue à faire fonctionner la mobilité. C'est quelque chose, on y tient particulièrement, donc c'est quelque chose qui vraiment nous tient vraiment à cœur. Alors concrètement, comment ça se passe? Tout simplement, on va informer les étudiants pendant leur parcours sur les différentes possibilités d'études dans nos universités partenaires, donc au niveau bachelor ou au niveau master, hein, on fait des réunions d'information, etc. Et puis après, les étudiants peuvent formuler des vœux, tout simplement, selon leur projet. Comment est-ce qu'ils veulent construire leur CV, encore une fois, dans quelle langue ils veulent étudier, dans quelle partie du monde ils veulent étudier, est-ce qu'ils veulent partir sur un semestre de mobilité simple, ou bien une année, ou bien un double diplôme. Voilà, tout cela, ça se fait pendant le cursus, en collaboration avec les autres services, notamment le département des études et des programmes, pour qu'une fois qu'on a fait tout ça, l'étudiant puisse préparer son projet et puis partir en mobilité sereinement. Je me permets peut-être juste de rajouter un élément important, c'est que évidemment tous ces départs d'échange pour un semestre, un an ou toutes ces arrivées se font dans le cadre de, en tout cas quand c'est en Europe, d'Erasmus. Et donc on est dans la logique de transfert de crédit européen, donc des systèmes qui aujourd'hui sont tout à fait fiables et très réglementés, et que donc on s'inscrit dans ces parcours-là parce que justement nous sommes conférence des grandes écoles avec des diplômes visés. Donc c'est une sécurité pour l'étudiant et c'est un système parfaitement rodé. Oui, d'accord. Tout à fait. Il faut vraiment que la période à l'étranger apporte quelque chose à l'étudiant. Hein. Il ne s'agit pas d'aller faire 2-3 cours comme ça en Espagne et revenir sans rien. Hein. L'idée, c'est vraiment de gagner en valeur ajoutée à son CV. J'ai fait une mobilité d'un semestre, j'ai eu 30 crédits dans cette université. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ça, ça et ça? Et ça, c'est vraiment indispensable hein, aujourd'hui pour un parcours étudiant.